Voyageur pressé qui n'accorde qu'un bref regard en passant aux choses et aux gens, le Maroc continue d'offrir son spectacle immuable. Les marchés grouillants de couleurs, le porteur d'eau et son harnachement sonore. Les danseurs, les battleurs et les charmeurs de serpents. Les jeux d'ombre et de soleil sur la foule des rues, les mains à droite des artisans. Mais derrière la tentation commode de l'exotisme, n'y a-t-il pas autre chose à voir pour saisir la réalité vivante du Maroc en marche vers son avenir ? Ces deux Marocains qui cheminent sur leurs ânes à travers le bled mettront autant de temps pour arriver à la ville la plus proche que l'avion partant de Paris pour arriver à Casablanca. Pour que l'avion devienne ce qu'il est aujourd'hui, rapide, sûr, confortable, il n'a pas fallu 50 ans. Il a fallu moins de temps encore pour qu'une grande ville surgisse du sol autour d'une petite cité arabe. Casablanca, capitale économique du Maroc, compte aujourd'hui plus de 600 000 habitants. Les grandes artères se développent en de longues perspectives. L'essor de la ville ne se ralentit pas.